Là, attends, faut l'attendre, il va revenir. Pendant ça, je vais fermer mon point. Donc, tiens. Attends, je vais faire... attends, je vais être à peu près, tu vois, donc ce chien. Ouais, tiens. Ah, pour moi, ça va être bon. Ah, dans peu de temps, ça va. Faut attendre le soleil et puis on y va. Ah, dans un petit moment là, ça arrive. Ah, ouais. Dans... ah, à 20 mètres, voilà, c'est bon. Ok. T'es prêt? Moi je suis prêt, ouais. Ok. Et ben, allons-y. Parfait. Merci. C'est bien qu'on a eu du beau temps. Ouais. Tout à l'heure, j'avais écouté la météo, ils avaient annoncé du soleil sur Paris qu'en fin de journée, tu vois. Donc, ils étaient un peu pessimistes. Bah, c'est chouette. Bah, les portraits que j'ai fait avant toi, il n'y avait pas trop de soleil. Ah bah ouais, c'est quasiment... Ouais, ouais, bah oui. Celui juste avant, si, celui juste avant, j'ai eu du soleil. Mais... Joseph, c'était chez lui. Ah de toute oui. façon, il n'y avait pas un soleil direct. C'était chez lui à sa fenêtre. Donc, maintenant, se mettons. Alors, je te laisse le choix, là. Moi, j'avais pensé à un endroit que j'avais repéré parce que j'aimais bien la couleur. Mais il n'y aura pas de soleil. C'est le rouge là-bas. Ah, d'accord. C'était dit sur un fond rouge. C'est... Ah, ouais. Mais je puis raisonner en Super 8 Kodachrome. C'est ah oui. de la vidéo, c'est pas forcément. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai aussi, qu'en ouais, en Kodachrome, c'est magnifique. En Kodachrome, du rouge comme ça. Ouais, ouais. Ouais, oui. Donc. Et oui. Je sais pas, peut-être plutôt privilégier le soleil, du coup. Alors, je fasse mon cadre. À la limite, si tu as du texte, là, il sera déformé. Donc... Alors, attends, donc.
tu me dis si oui, je peux bouger hein, si tu... Ouais, ouais, non, mais attends, je regarde. Oui, il faudrait que tu sois plus par là, ouais, pour éviter ça. D'avoir du texte. Ouais. Ah, cela dit, bon, oui, immanquablement, j'en aurais. Oui, oui. La seule façon de pas en avoir, il aurait fallu être de face, mais là, bon... On peut le faire. Cela dit, non, c'est un peu dommage parce que tu vas être obligé de fermer les yeux tout le temps. Soit je vais cligner les yeux comme ça, soit il faut que je mette ma main. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, ça sera... Est-ce que ça... Je regarde si ça se lit. Ça risque d'être... Je peux voir le cadre? Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bien coller l'œil. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah là, on n'arrive pas à lire parce que c'est petit, mais c'est... Encore peu, hein. Non, mais écoute, c'est pas très grave. Hein. Oui, oui. Comme ça, les gens qui s'emmerdent, ils ont du texte à lire. Ils auront deux, trois mots à lire, quoi. Ce sera pas... Alors je fasse bien le cadre là. Tu peux avoir le coin là, t'es pas trop près. Je vais voir, attends, ouais. Je vais voir ce que... Tu peux le faire en manuel, t'as les mètres. Ah non, non, mais je fais la mise au point sur ton visage, je bloque dessus. Oui. Tu vois? Tu zoomes à fond, tu fais voilà, la mise au ça. Point. Et je bloque sur... Ouais. Ouais. Simplement, il y a tellement de lumière, est-ce que... Pour peut-être qu'il faut que je mette un peu d'ombre. Attends. Ça va aller, je pense. Focus. Voilà, manuel. Ah, c'est bon. C'est bon, ok. Sorti. Non, c'est bon. Parce que moi, je vise toujours. Tu vois, j'utilise jamais ça. Quoi. Oui, d'accord. C'est pas possible. Ah bah décidément. Je vous surprends petit gaillard. Voilà. C'est la journée. Bien. On a vu Joseph Mordor juste avant. Plus un ami à lui qui rencontre par hasard. Bah dans le coin, il faut que je vienne. Je t'ai pas encore envoyé le projet Garel. Hein. J'ai presque tout fait, tu vois. Là je suis complètement. C'est dans. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Ouais. Bon bah. Mais tu as fait une bonne photo, j'espère. Tu as fait une bonne photo, j'espère. Hein. Ah bah écoute, là on voit pas grand chose. Là, je suis pas ah, c'est avec le portable. Mais, j'essaierai de récupérer ça. Je peux encore essayer de récupérer ça sur l'envoi. Okay. Ah d'accord, merci. Okay. Salut. Salut. Alors donc, le cadre. Voilà. Donc, on va avoir un petit morceau de ça, hein. c'est pas grave. Hein. Sauf que c'est vrai que comme c'est noir, ça risque de faire défaut de cadrage peut-être si c'est projeté, mais enfin moi ça me gêne pas, c'est pas... Parce qu'autrement, je regarde, il faudrait que tu sois légèrement décalé de peut-être de 10 cm comme ça là, ça éviterait d'avoir ça. Peut-être que je refasse la mise au point. Voilà, c'est bon. La technique est prête. Alors, est-ce que le sujet filmé est prêt? Ouais. Donc, tu me diras quand tu voudras et moi je dis top et on est parti. Voilà. Top. Voilà, c'est terminé. Alors, l'expérience, tu avais un allié qui était le soleil ou un adversaire? Un ennemi, ouais. Du coup, tu filmes aussi les réactions après coup. Bah là, là, si tu veux, là, vidéo. Là, j'enregistre des choses en dehors du cinématon. Bah, c'est vrai que le soleil était particulièrement présent, en tout cas. Ah oui, oui, c'est incroyable. Ouais. Là, c'est... Ouais. Même moi qui regarde pas, je le sentais, vraiment je le sentais. Ah, il chauffe vraiment là. Ah, oui. Je sais pas si c'est les armatures métalliques aussi ou à côté, mais... Ah bah là il y a du béton, tu vois,
qui renvoie la lune. Ça tape là, ça rebondit. Tu vois, donc ça, t'as deux fois le soleil, quoi. T'as le direct, puis rebondit aussi. Ce que je sais pas, c'est jusqu'à quel point, par contre, jusqu'à quel point je mettais mon visage totalement dans l'ombre ou pas. Non, non. Non, c'était une petite partie. Oui, d'accord, bah c'est bien alors. Ouais, ça va. Ça, c'est quoi ta prévention ? Ça, c'est le dernier cri. Non. Enfin, c'était avant dernier cri, quoi. Non, c'est la vidéo, ça. Ouais, non, mais. Ça, c'est du Super 8, ça. Ouais, à l'ancienne, ça. Là, je demande un Super 8 nouveau. Ah, non, non, c'est non. C'est la Rolls ? C'est un peu le même genre, puisque c'est petite caméra, quoi. Ouais, voilà. J'ai enlevé le stabilisateur d'image. Moi, je ne sais même pas si oui, il doit y être. Non, faut l'enlever. Le stabilisateur, c'est nous. Non, c'est mauvais parce que le stabilisateur. C'est mauvais, le stabilisateur ? Oui, parce que ça réduit. Comme ça corrige l'image, ça la réduit. Ah, et d'accord. Ça fait des à-coups. Et en fait, c'est moins bien que de ne pas l'avoir. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas. Donc, moi, je l'ai enlevé. Quoi. Oui, enfin j'essaie de faire des films de toutes sortes, un journal, et puis des fictions, des documentaires, je ne sais plus quel genre d'ailleurs est le bon. Et merci d'être venu. Merci à Philippe Maillot de nous avoir invités, Gérard et moi, pour les escales documentaires, je le remercie également. Et voilà, je suis ravi d'être à La Rochelle, parce que c'est une ville qui pour moi personnellement a un sens très particulier. D'abord un sens personnel, très personnel, puisque
Il se trouve que je suis né aux Amériques et que la première fois que j'ai vu le pied en France, en descendant d'un transatlantique, c'était à La Palisse. Donc, la première ville que j'ai vue en France, c'est La Rochelle. Je suis toujours heureux d'y revenir, et surtout sachant l'histoire par rapport au cinéma indépendant, je veux dire cinématographe, qu'à La Rochelle, où j'ai rencontré Jacky Yonnet, et comme vous le savez, quelqu'un de très important dans le travail qu'il a effectué ici, et en particulier à cet endroit même, où je suis revenu plusieurs fois projeter des films, en voir, en faire aussi. Et puis un autre souvenir, c'est il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis venu animer un stage organisé par Jacky, j'ai rencontré Pierre et Dominique Lijoie qui sont présents, donc il y a des amitiés précieuses qui se sont nouées ici. Et je suis ravi de retrouver tous les amis, et évidemment les amis de cinéma, tous ceux qui sont présents ici, je les salue. Et donc voilà, donc ça c'est le jour... Oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais te poser une question, donc d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui fait que... D'abord, tu continues, hein, tu tournes toujours en Super 8, qu'est-ce qui a fait que des cinéastes, de nombreux cinéastes dans le cinéma expérimental, notamment le cinéma militant, ont continué à filmer en Super 8, alors que ce format, finalement, bon, il y a quelques années, c'était tourner en Super 8, c'était économique, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis, il n'y a plus de matériel fabriqué depuis 20 ans, et la pellicule est relativement chère aujourd'hui. Alors pourquoi un cinéaste comme toi a continué à filmer en Super 8 ? Quelles sont les caractéristiques de ce format qui font que il y a des cinéastes qui continuent à travailler dans ce format ? Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais considéré comme un cinéaste expérimental, ni dit quoi que ce soit. Peut-être le terme qui me conviendrait le mieux, c'est indépendant, enfin libre, si vous voulez. Ou alors un terme, évidemment, qui est titre du dernier film de la Cavalier des Ors, filmeur. Je fais du filmage, plutôt. J'essaye. Et le Super 8, parce qu'effectivement au début, c'était pour des raisons économiques. C'était, enfin avec le 8 mm, je n'avais pas de caméra 8 mm à l'époque, c'était en 67. Hein. Donc au tout début du Super 8, on m'a offert une caméra pour mes 18 ans, ma mère m'en a offert une. C'était vraiment la plus primitive à l'époque, hein. C'était vraiment le boîtier instamatique Kodak, on appuyait sur le bouton, mais elle faisait des images tout à fait correctes. Au début, c'était pour des raisons économiques, parce que je voulais faire comme ce que je croyais tout le monde, c'est-à-dire faire un vrai film en moi à l'époque, c'était en 35. En réalité, j'ai fait mon premier film en 35 il y a à peine 12 ans, donc presque 40 ans après. Mais, très important, et ça, il y a quelques... Non, un ancien producteur n'a pas compris, et je me souviens, il m'a demandé, maintenant tu vas faire du 35, tu arrêtes le Super 8. J'ai dit, mais non, pas du tout, au contraire. Parce que le Super 8, pour moi, c'est la base de tout. C'est-à-dire que je l'appelle mon garde-fou. Et maintenant, effectivement, même si le Super 8 en proportion à la vidéo numérique est beaucoup plus cher, ça reste pour moi le meilleur format pour, à mon avis, s'initier au cinéma. C'est-à-dire, comme ça coûte cher, comme il n'y a plus de Super 8 sonore, ça induit une certaine rigueur, une discipline. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup, que l'image, que la caméra soit beaucoup démocratisée. En même temps, j'avoue, peut-être je suis rétrograde, que je me pose la question sur le sens des images. Et je trouve que par rapport en particulier à des jeunes qui n'ont jamais fait un film, je trouve que c'est formidable de commencer par l'image film. Et après, bon, si vous voulez, de passer au numérique, à la vidéo, à ce que vous voulez, parce que ça induit une réflexion sur le sens d'une image. Et aujourd'hui, alors que nous sommes une onde d'image qui est très bien, ça peut être aussi un danger, parce qu'on fait des images et à la rigueur, il y a des gens qui font des images qui ne les voient pas, à commencer par moi-même d'ailleurs, des fois. Et donc faire du Super 8, c'est... Je ne sais pas si je suis très clair. Hein. Quand je tourne un plan en Super 8, je sais que le prix que ça coûte, donc il y a toujours une raison économique. Mais dans l'autre sens, à l'époque, au début, c'était ce qui allait moins cher. Aujourd'hui, c'est à la rigueur. Je ne dis pas ce qui est plus cher, mais ça coûte cher. Et en plus, ça n'existe presque plus, le Kodak Chrome. Il faut donner un ordre de prix, quoi. C'est environ 15 euros. Oh, mais plus. La Fnac, les derniers Kodak Chrome que je trouvais à la Fnac coûtaient dans les 23 euros. Presque, je dirais, tout même de 25 euros. Donc, vous voyez. 25 euros, c'est, disons, 150 francs, et pour une unité, donc avec ce prix-là, vous pouvez acheter aujourd'hui, je ne sais pas, 40 cassettes mini-DV, voilà. Donc, on est 40 heures d'image, alors que là, en 18 images, vous avez 3 minutes 20, ou à 24 images, 2 minutes et demie. Donc, ça induit le fait que, comme ça coûte cher aujourd'hui, ça oblige à réfléchir,
Et par exemple, mon Super 8, aujourd'hui, comme j'aime bien dire que le Super 8, c'est comme le cochon, rien ne se perd, tout est bon. C'est-à-dire que c'est, y a la mort, ce pouvait recycler, les bouts d'image, les flous, etc. Donc je fais du tourné-monté. Donc chaque photogramme a son coût, a un sens, et ça induit une façon de tourner, c'est-à-dire quelque part, même si c'est un peu pompeux, ça induit une sorte d'éthique. Hein, c'est-à-dire, c'est, voilà. Moi je revendique ça parce que c'est à l'intérieur de ça que à mon avis, je trouve ma liberté, et en particulier, pour tourner dans des formats plus importants, c'est-à-dire le Super 8, évidemment, je le fais tout seul, avec des équipes, que ce soit en vidéo, en numérique, en 16, en 35. Cette rigueur du Super 8 induit une rigueur dans le contexte économique du cinéma, si je peux dire, industriel. Hein? Voilà. Voilà pourquoi je continue en Super 8, parce que d'abord, j'en ai envie. Tout simplement. Et le jour où je n'ai plus envie, si le Super 8 existe encore à ce moment-là, j'arrêterai. Voilà, je ne sais pas si j'étais un peu confus, mais voilà. Justement, alors la deuxième question, c'est est-ce que ce format a encore un avenir? Parce qu'avec la décision de Kodak d'arrêter la fabrication du Kodak Chrome, est-ce qu'on peut parler d'un crime contre le cinéma? Oui. Je le disais ce matin, c'est pas un drame, c'est une tragédie. C'est-à-dire qu'avec le Kodak Chrome, nous sommes en train de perdre sur une couleur d'une palette. Imaginez que vous avez un peintre. Vous voyez un tableau et il manque une couleur. Et bien, la disparition du Kodak Chrome, pour moi, c'était exactement ça. Bon, je fais une image, évidemment. C'est-à-dire que Kodak fait une erreur majeure, tragique. Je suis plus que furieux, je suis hors de moi. Je suis évidemment extrêmement triste, mais surtout furieux, parce que c'est quelque chose... Et donc, il me reste quelques cassettes Kodak. Jusqu'à la dernière seconde, je tournerai en Kodak Chrome tant que je pourrai. Parce que... Bon, c'est ma nature, hein, je suis d'une nature optimiste, hein. Enfin pessimiste, optimiste, pardon. C'est-à-dire que je veux croire que cette personne, je pense que c'est quelqu'un là-haut chez Kodak qui a décidé ça, qui ne connaît rien, qui n'est même pas un bon commerçant, parce que les bons commerçants sont des artistes pour moi. Un bon commerçant, c'est celui qui vous donne envie de revenir. Hein. Voilà, et Kodak commet une erreur majeure, d'ailleurs Kodak a des gros problèmes économiques en ce moment, en partie à mon avis, à cause de ça. Et ils font payer bon, le Kodak Chrome et d'autres aspects, puisque tout simplement, dans quelques années, la pellicule argentique est appelée à disparaître. Donc il n'y a pas que le Super 8 qui est en cause, ça va se répercuter même jusqu'au 35. C'est-à-dire que dans quelques années, vous ne verrez plus sur les films des films en 35, vous ne les verrez plus que dans les cinémathèques ou dans des lieux comme ici. Ça va même presque au-delà du Super 8, parce qu'il y a même en photo, j'utilise le 200 hasard en Kodak, qui est un peu l'équivalent pour moi du Kodak Chrome, qui s'appelle Kodak Gold, je crois, qu'on trouve encore chez quelques commerçants, mais qu'on trouve de moins en moins aussi. Donc vraiment, il n'y a pas que le Super 8. Hein, il y a le même problème en photo. Kodak annonçait il y a quelques années qu'il allait arrêter le Kodak Chrome pour les photographes, et là, bizarrement, il y a eu un tel mouvement chez les photographes, une telle colère chez les photographes qu'en définitive, ils ne l'ont pas retiré. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que le Kodak Chrome, pourquoi on attache tant d'intérêt, moi je suis moi-même utilisateur de Super 8, et c'est une pellicule absolument extraordinaire, extrêmement fine, et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que énormément de films ont été faits à partir d'archives tournées sur Kodak Chrome, et si on a des archives très anciennes, c'est grâce au Kodak Chrome dont la durée de vie, la conservation est garantie pour 100 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 ans de conservation avec, moi j'ai des films qui ont 40 ans et qui sont encore, il y a encore les couleurs, ils sont encore en très bon état. Et ça c'est vraiment un coup très très dur qui est porté au cinéma Super 8. Et sachant qu'en plus, c'est la bobine de Kodak Chrome, elle était vendue donc effectivement 20-25 euros, mais développement compris. Là, aujourd'hui, vous pouvez encore trouver du Kodak Chrome, enfin du Super 8, mais alors, c'est le même prix, sauf qu'après, il faut l'envoyer au labo, donc ça coûte deux fois plus cher. Oui, donc je veux croire que, bon, même si c'est l'utopie, il y a des utopies qui ont abouti aussi sur des réalités, que Kodak reviendra sur sa décision ou une autre compagnie, je ne sais pas, peu importe, mais qu'un jour, on s'apercevra que le Kodak Chrome manque cruellement. Nous le savons déjà. Mais que d'autres personnes
un public de plus en plus étendu, et puis les responsables là-haut chez Kodak ou ailleurs comprendront qu'il a besoin de ces pellicules qui étaient extraordinaires. Par exemple aussi, il y a une vingtaine d'années, je crois, il y avait Scorsese qui se battait pour la disparition de la couleur chez certains films, par exemple, parce que le Kodachrome, c'est la même chose que le Technicolor, si vous voulez, c'est la base du Technicolor, ce sont les trois couleurs de base. Hein. C'est-à-dire que les premiers films en Technicolor, je crois, étaient faits avec trois caméras, chacune avec une couleur de base, et c'est ce qui fait, par exemple, nous avons autant nos portes de vent qui date de 1939, qui est intact, donc un film qui a presque 70 ans, et West Side Story qui date de 1960, qui est devenu complètement rose. Donc maintenant, il faut restaurer West Side Story, par exemple, c'est quand même aberrant. Pour lui redonner ses couleurs d'origine, parce qu'il est tourné aux autres formats que Technicolor. Voilà un peu un exemple, par exemple, de ce qui se passe au niveau du cinéma hollywoodien industriel. Voilà. Donc c'est pour ça que la disparition de Kodachrome est vraiment quelque chose de fondamental, et je crois qu'on ne réalise pas parfois nous-mêmes assez l'importance que ça peut avoir. Évidemment, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, mais quand même, je veux dire, une couleur qui disparaît, je trouve ça tragique, voilà. Ça, c'est mon avis. Je préfère être brut de décoffrage, mais je crois qu'il y a des fois, il faut des choses comme ça, il faut les dire d'une façon sauvage. Merci, Gérard Courant. Donc, ah, j'arrive. Gérard Courant, lui, est célèbre pour ses cinématons, mais c'est pareil, tu ne fais pas que des cinématons. Oh, loin de là, oui. Oui, bah oui, loin de là. Les cinématons font partie d'un ensemble. C'est-à-dire il existe les cinématons, il y a aussi parallèlement une quinzaine d'autres séries qui existent, comme les portraits de groupe, couple, lire, etc. Et puis aussi toutes sortes d'autres films, courts, longs métrages. Et puis aussi ce que j'appelle mes carnets filmés, donc une sorte de journal, mais bon, c'est encore autre chose qu'un journal, c'est un peu des carnets de notes autour du cinéma, et autour de ma pratique de cinéaste. Et tout ça, c'est un ensemble. Alors je sais qu'il y a des gens qui croient que je ne fais que des cinématons, par exemple. Ça arrive, des gens que je rencontre et qui ne savent pas que j'ai fait beaucoup d'autres films. Et d'ailleurs, donc les cinématons ont été commencés en 78. Bon, j'avais déjà fait plusieurs films avant. Mais jusqu'en 1984, mes autres films étaient plus connus que des cinématons. Il a fallu 6 ans de cinématons. Bon, évidemment, les cinématons sont toujours demandés, ils sont toujours programmés régulièrement dans des festivals, dans des cinémathèques, dans des télévisions. Oui, mais ça, je vais en parler. Donc, disons, pendant les premières années, mes autres films étaient plus connus que le cinématon. Puis après, le cinématon, c'est devenu une sorte de rouleau compresseur qui a mangé un peu tout le reste. Mais parallèlement, j'ai toujours fait beaucoup d'autres films. Et il serait inconcevable pour moi de ne faire que les cinématons. Ça ne m'amuserait pas du tout. C'est une partie de mon activité, certes importante, mais voilà, c'est qu'une partie. Alors, peut-être qu'il faut dire en deux mots ce que sont les cinématons, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une anthologie de portraits filmés de personnalités artistiques, donc de gens de tous les domaines, du cinéma, de la littérature, des arts plastiques, de la philosophie, et que j'ai commencé au début de l'année 1978. Et donc la particularité, si vous voulez, de cette anthologie, c'est que chaque portrait est réalisé exactement selon les mêmes règles depuis le numéro 1, qui a été réalisé le 7 février 1978 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le principe, c'est une bobine en Super 8. C'est un plan séquence fixe. Et au niveau du cadrage, c'est un gros plan. Donc je dis souvent que le cinématon, c'est la transposition de la photo d'identité en cinéma. Et chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Et donc, à ce jour, il y a eu plus de 2000 cinématons qui ont été filmés. L'ensemble représente 150 heures de projection. Il y a eu des intégrales. La dernière devait faire 130 heures, c'était à Toronto. Là, ça devient de plus en plus compliqué à organiser, mais enfin, je suis optimiste, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Là, à La Rochelle, on va montrer seulement 12 cinématons, ce qui va représenter une quarantaine de minutes, notamment le cinématon de Jacques Guillonnet que j'avais filmé en... bien après que je le rencontre, mais en fait je l'avais filmé en 1990 à l'occasion d'un voyage ici à La Rochelle, et donc Jacques Guillonnet, bon, que je connaissais de l'époque de Cinémarge. Et d'ailleurs, je voulais ouvrir une petite parenthèse, la première fois où j'ai présenté des films dans un festival, c'était à Cinémarge en 1977, donc je présentais mes deux premiers courts-métrages, voilà, c'était pour l'information. Alors bon, il y a deux, trois choses qu'il faut dire par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que depuis le 28 octobre
Et cela au moins pendant 4 mois, mais peut-être plus. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Pink TV qui présente chaque jour un cinématon. D'ailleurs, ça passe en clair, donc je crois que c'est à 19h30, chaque jour à 19h30. Chaque cinématon, d'ailleurs, est repris plusieurs fois dans la journée, mais là, bon, pour les abonnés. Et ça repasse encore le samedi. Les 5 cinématons de la semaine sont présentés également le samedi, le soir aussi, donc en bloc, les 5 cinématons. À partir de après-demain, il y a une grande rétrospective à Bruxelles avec une centaine de cinématons, avec en plus deux de mes longs métrages, À propos de la Grèce qui date de 1985 et Les aventures d'Edith Hurley qui date de 1987, dans lequel Joseph Mordeur est acteur, à côté de Lou Castel, Françoise Michaud, etc. Il joue le rôle d'un savant fou, donc voilà, un savant fou. Et puis, donc, le Centre Pompidou, je voudrais en parler parce que, en fait, vous arrivez juste avant eux. Et, voilà, vous avez grillé la politesse au Centre Pompidou. Voilà, le Centre Pompidou, pendant 3 semaines, en décembre, on fait un hommage au Super 8, justement, à cause de cet arrêt du Kodachrome. Donc, ils vont présenter des séances avec des cinéastes qui ont fait une œuvre en Super 8, qui ont fait une grande partie de leurs films en Super 8. Donc, évidemment, il y aura des films de Joseph Mordeur, de Théo Hernandez, de Maria Clenaris et Katrina Tomadaki, Lionel Soukaz, Michel Nedjar, etc. Et à cette occasion-là, je présenterai, je crois, à peu près une douzaine de cinématons, à chaque fois de ces réalisateurs-là. Donc, vous verrez, on peut voir, là, au Centre Pompidou, le cinématon de Joseph Mordeur, numéro 21, et qui avait été filmé à La Rochelle. Donc, pendant... Voilà, et on voit d'ailleurs le tournage dans son journal. C'était pendant Cinémarche 78, le dernier Cinémarche. Donc Théo Hernandez, etc., seront présentés dans cette rétrospective. Et je présenterai également de nouveau À propos de la Grèce, donc dans cette rétrospective. Voilà. Donc, que dire de plus ? On va voir les films et puis vous pourrez leur dire quelques mots sur le film. Oui, excusez-moi, je vous expliquais brièvement le journal pour que vous arriviez à vous retrouver. Alors le journal, c'est un journal filmé intime, ce n'est pas un journal d'actualité, hein, que je tiens depuis 1967, donc ça va faire 40 ans l'an prochain. Et l'épisode que vous allez voir, c'est la première partie d'un épisode qui s'appelle « Été madrilène ». Parce que juste, il se trouve que à partir de cette époque, ça commence en 1978, c'est-à-dire vous verrez les petits cartons qui disent les dates, donc juin 1978. Jusque-là, je tournais le journal en muet, puisqu'il n'y avait pas de cassette sonore en Super 8. Et quand il y a eu des cassettes sonores, j'ai commencé à faire ce que j'appelle, parce que comme le début du cinématographe, du cinéma sonore, et non seulement sonore, mais avec l'utilisation de la voix off. Hein. Donc vous allez voir le premier épisode qui utilise la voix off. Donc je vous propose, comme c'est un film qui a 28 ans maintenant, de le voir, moi, avec la distance, le temps qui passe, je le vois de plus en plus comme une fiction, comme un feuilleton. Je m'amuse toujours à dire que c'est Dallas, voilà, Dallas, épisode numéro 1, numéro 2, etc. Puisque le journal dure à peu près, je n'ai pas calculé, environ 70 heures en Super 8. Et il se trouve qu'en parallèle, depuis 7 ans, je fais un journal numérique qui, lui, est beaucoup plus long, qui fait près de 150 heures. Donc, vous voyez, tout ça mélangé, ça fait une grosse somme d'heures. Et donc, vous allez voir les trois premiers quarts d'heure, hein, ça dure 45 minutes, la première, parce que chaque épisode dure environ 1h30, c'est-à-dire comme par hasard, le temps d'un long-métrage. Il s'étale sur 6 mois, ce que vous allez voir à peu près, je crois, de juin à septembre 78. Et c'est comme si je vous propose de ralentir le temps, je crois que ça va se faire tout seul. Vous allez voir l'équivalent de 5 minutes d'un film. Il est étalé sur 3 quarts d'heure, c'est très Einsteinien. Sachez que c'est le début d'un film qui en principe dure à peu près, c'est-à-dire que ça fait partie d'une somme d'épisodes d'une minute, dont un faux, pas une info, mais un épisode qui est faux. Parce que ce qui m'amuse au cinéma, c'est le dernier, le vrai du faux, et parfois la frontière est très floue pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Et peut-être c'est celui-là le faux, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je vous propose de le voir comme une fiction, c'est-à-dire que c'est un journal intime, mais si je le projette, c'est que j'ai la distance aujourd'hui pour en rire, ou en pleurer avec vous, éventuellement. Voilà. Et il se trouve qu'il commence à La Rochelle, donc en 78, dans un voyage avec Gérard Courant, Et Yves Rollin, qui était un personnage donc, important de Super 8. Tout à fait, Yves-Marie Rollin, parce que nous avions à l'époque un groupe de diffusion de Super 8 qui s'appelait Ciné-Suite Action Super 8, ou de diffusion des films en Super 8, et je crois bien qu'à l'époque nous étions venus projeter des films de cette association.
Et vous allez voir effectivement une petite chronique personnelle, puisque ce sont les premières minutes du film, du cinéma 78, où il y a Jacques Lyonnais et toute l'équipe, dont certains sont présents dans la salle à ce moment-là. Et puis bon, bah, il y a... Et la suite, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet épisode. Alors, ce que vous allez voir, techniquement parlant, il s'agit d'une copie. C'est-à-dire que, on a vérifié un petit peu tout à l'heure avec Philippe, bon, ça a l'air à peu près encore en bon état, c'est une copie qui a quand même 25 ans, mais vous verrez que même une copie qui, je crois, est tirée en ectachrome, donc qui n'est pas du Kodachrome, reste, bon, à part des rayures, des poussières, mais pour moi, ça fait aussi partie du charme du film, reste, si, sauf surprise, parce que je n'ai pas revu depuis longtemps, en relativement bon état par rapport à son âge, voilà. Donc sachez que c'est l'origine, c'est du Kodachrome. D'ailleurs, la première séance, vous avez vu les originaux, vous avez pu remarquer peut-être la brillance des couleurs. Et donc, c'est ça qu'il y a aussi dans tous ces films. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne projection du journal. Merci. Depuis quand ? Depuis quand ? Enfin, non. Quatrième année, je crois que je viens. En fait, si, La Rochelle a changé, il y a des nouveaux paysages et de nouvelles constructions, enfin, ça serait des natures comme partout. Mais cette année, je suis particulièrement mal foutu. Ils ne m'ont pas sélectionné de film, je leur en veux pas, mais en même temps, je leur en veux. Ils ont écroulé sous le piège de la surcharge. Alors, il y a des visages, quelques visages que je filme, des lieux. Des lieux où il va se passer des choses, des petits événements que je vais filmer. Ces événements viendront sonores après. Il y aura la remise d'un prix Morlock. Il y aura une nouvelle évocation d'une soirée de Jaffrenou et compagnie avec ses actions cinématographiques de Vive le cinéma. Ça, c'est du cinéma. Il y aura les aboiements du chien Casimir. Et puis, il y aura Eric qui a encore grandi et qui va jouer un morceau au piano, car Eric a une bonne éducation. Cette année, l'atmosphère est donc un peu étrange, un peu changée. Les parents d'Alain sont plus décontractés que l'année précédente. Je les filme une nouvelle fois pour la forme, simplement, pour voir comment ils ont évolué, comment ils se sont transformés physiquement depuis l'année d'avant. Comme toujours, c'est avec Frédéric que j'ai la meilleure relation, et avec Casimir aussi, bien sûr. Ce sont des images estivales que j'ai filmées en attendant. Je me demande ce que ça va être ce nouvel été. Est-ce qu'il va se passer autant de choses que les années précédentes, c'est-à-dire pas grand-chose? Je prépare un voyage en Espagne ici quelque temps, avec Dominique. Nous avons décidé de partir à deux, avec deux caméras, pour voir ce qui allait se passer. Un peu au hasard. C'est surtout à ça que je pense. Pendant ce séjour à La Rochelle. Les films, je m'en fous après tout. J'en vois trop, j'en vois pas assez. Ils se mélangent tous dans ma tête, je les oublie. Alors je filme en attendant. Nous sommes à La Rochelle, nous allons procéder à la remise du Grand Prix Morlock 1978 qui a été attribué cette année à Gérard Courant pour son œuvre Ravage et Cinématon 1 et 2, produit par Yves Rollin, présent de l'autre côté de l'objectif. Monsieur Courant, je vais vous décerner votre prix. Merci beaucoup.
avec toutes nos félicitations pour votre film le plus rasoir de l'histoire du cinéma. Je tiens à préciser qu'il n'y a que Rasage qui est produit par M. Yves Rollin. Alors, comment se fait-il que je puisse accéder à ce prix, M. Mordeur? Ce prix n'est pas toujours accordé. Il faut vraiment que le film soit tout à fait dérisoire pour que nous puissions le donner. Il nous a semblé que Rasage appartenait à ce genre, très difficile à trouver, mais ça appartient à un certain cinéma primitif que nous prisons énormément. À la vôtre, j'espère que vous aurez votre prix l'année prochaine. À l'autre, merci. Bon, moi j'arrête parce que je veux boire un coup. Mais tu bois pas du vin, toi. Attends, on continue, mais... Non, tu boiras pas. Bon alors, moi je suis vraiment content, c'est quand même pas tous les jours qu'on accède à la notoriété. La prochaine fois, Gérard. Bah oui, je vais essayer. Enfin, j'ai déjà essayé de faire mieux, mais ça n'est jamais pas souvent arrivé. Je crois qu'on peut arrêter. Non, tu peux arrêter. C'est 11h04 presque. D'accord, très bien. Bon, allez, attention, on considère que c'est parti. C'est terminé. Ce sera un film pour les référents, les connaisseurs. C'était pour... Dominique m'a dit que c'était un de ses films cultes. Ah, tu continues à filmer là? C'était mon dernier souffle. La mort du kangourou. Voilà. Premier remake du Chanteur de Dragon. C'est un double remake. C'est un double remake. Du cinématon. Du cinématon, voilà, c'est pour ça que j'ai eu vraiment une idée juste avant. Hein. Je ne savais pas ce que j'avais dit. Joseph, prends la première idée qui te vient en tête, ben voilà. Et j'ai dit que hop, hein, c'est le seul dialogue. Hein. En fait, au début. Hop. Ça va, je sortais du champ quand je sortais. Ouais, très bien, oui. Pour ma raison, heureusement que je vois un kiné bientôt. Hein. Gérard, tu sais pas ce que moi, j'ai fait. Je te coûte cher en kiné, hein. Souviens-toi à Chambéry, là. Ben déjà, quand j'ai fait le Château du Dragon, j'étais essoufflé, j'avais 26 ans. Hein. C'est 76, je crois, donc c'est vraiment... J'en pouvais plus, quoi. Je sais pas comment j'ai fait. Alors, il faut s'entraîner pour ce genre de choses. Je ne me suis même pas entraîné, tu vois, j'étais con. Je suis entraîné petit à petit, ah, tu vois. Quand je suis sorti du champ, j'étais... Tu peux en faire au début 20 secondes, le lendemain 30 secondes, tu vois. Là, ça va. Tu rajoutes par petits morceaux, quoi. Bah écoute, voilà, c'est ça qui est le cinématon. Là, c'est ton premier cinématon en vidéo. En vidéo. Non, en bit et haut. Bit et haut. T'as pas pensé à ça? Non. Bon, bah écoute, voilà. Je t'en remercie. Non, merci. Je te dirai le chiffre. Ça doit être aux alentours de 2110, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Et le dernier, c'était 1168, je me souviens. Ouais. Ouais, ça en fait en moyenne un tous les 5 ou 6 ans. Non, plus. Non, ça fait 7 ans, parce qu'avant 99, je n'en ai pas fait pendant 15 ans, je crois. Oui, c'était en 84. 3 ou 4. Troisième. 83 ou 4. Ouais, donc il y avait 15 ans, et là. Ouais, bah à l'époque, c'était moyen. 7 ans. 2 ans, 4 7 ans, ans et demi. 15 ans, 7 ans, oui, 7 ans et demi. Je pensais ne plus jamais en refaire, mais bon, voilà, flatté. Merci. Non, tu en as fait plus que moi. Ah. J'en ai fait 4. En comptant le 0, je suis à 4. Et il y en a qui ont fait 5 ou plus? Oui, Galaxy. Ah donc je bats le record avec Galaxy. T'es égal, hein. Tu es égal, oui. Oui, mais Galaxy c'est à part, parce que tu voulais la filmer tous les ans. Ah, je suis curieux de voir celui-là. Non, je ne veux pas le voir maintenant. Non, je veux pas le voir. Bah, quand il y aura une... quand le TGV sera en race campagne à l'arrêt, voilà. Il faudra regarder ça, parce que si on attend des heures encore, si ça se trouve, ça va être le même que l'autre jour. Et j'entends siffler le contrôle. Toi, j'ai ça aussi, tu vois. C'est pour contrôler la durée? Non, non, ça c'est... J'ai pas besoin de toucher la caméra, tu vois. Ah, d'accord. Télécommande, je peux arrêter, je peux faire le zoom, je fais tout. D'accord. Tu vois? Ah, ça va, je suis pas trop fatigué.
j'ai su économiser juste ce qu'il fallait. Je suis plus en forme qu'il y a 30 ans. Tu continues à filmer là? Tu veux que tu veux rager? Bientôt la palisse. Voilà. On ne peut que se réjouir que le festival permette de voir les films aussi radicaux. Comme ceux d'Estrove, par exemple, ou celui de Chantal Akerman qu'on a vu hier. J'avais évoqué au début les frères Lumière, Andy Warhol. J'aurais peut-être pu mieux citer Jonas Mekas, pour citer quelques références, disons. Pour les spectateurs, c'est un travail assez ardu, c'est une épreuve, évidemment. On est peut-être récompensé à la fin pour ceux qui s'obstine à rester, à rentrer dans le film ou à se laisser dévorer par le film. Voilà, il y a des motifs qui reviennent, l'eau, le bateau, des ombres, les textes aussi. Donc je voulais simplement te demander comment techniquement tu as réalisé les images d'abord, et puis et le son, c'est comment tu as conçu la bande sonore, parce qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas ta voix. En général, dans ce genre de film, film journal, film voyage, il y a souvent la voix du réalisateur. Oui, alors, le film, donc en fait, c'est un film, c'est une sorte de défi au cinéma, c'est un film en grande partie sur le refilmage. Donc au départ, il y a eu un tournage image par image, qui durait, je ne sais pas, 4 ou 5 semaines environ. Et puis après, donc, il y a eu tout un travail de très long de refilmage qui a duré, je ne sais pas, pendant un an à peu près. Et donc, disons, dans chaque film, dans chaque long métrage, j'essaie d'inventer ou de pousser une recherche de façon radicale, d'aller jusqu'au bout de cette recherche. Alors, le film qu'on a vu là, c'est une recherche sur le refilmage. Alors que le film que vous allez voir après n'a rien à voir, ce sont que des images fixes. Voilà, donc en fait, c'est fait très simplement avec une caméra Super 8, avec un déclencheur. Voilà, je déclenchais image par image. Donc, il y avait, dans une pellicule, il y a à peu près 3600 images. Non, c'est ça, 3600 images. Donc, quand j'avais une cassette, donc il fallait que j'actionne 3600 fois. Voilà, donc comme il y avait plusieurs cassettes, ça faisait donc pas mal de fois où il fallait appuyer sur ce déclencheur. Et voilà, donc après, il y a tout ce travail de refilmage. Il y a certaines images qu'on voit au début qui reviennent, d'autres pas. Et il y a donc, c'est toute une cuisine avec, comme je vous dis, des répétitions, des variations. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans le cinéma, mais qu'on retrouve beaucoup dans l'art contemporain, qu'on retrouve beaucoup dans la musique de jazz, hein, tout simplement, qu'on retrouve beaucoup chez Wagner, avec les fameux leitmotifs. Et c'est vrai qu'au cinéma, il y a d'autres cinéastes qui font ce travail-là, mais c'est vrai que c'est assez peu usité. Voilà, donc... C'est une chose qu'on retrouve dans certains de mes films, ce travail sur la répétition, les variations. Pas dans tous, hein, mais dans certains. Oui, et alors ça peut faire penser aussi évidemment à ce qui a existé avant le début du cinéma, c'est-à-dire plutôt la peinture impressionniste, par exemple.
On va vers la fin, vers une sorte d'abstraction. Chaque photogramme est presque un tableau. Oui, l'impressionnisme, en ce qui concerne un autre de mes longs métrages qui s'appelle Cœur bleu, qui avait été présenté au Festival de Cannes, qui était aussi sorti modestement dans une salle de cinéma et qu'on avait montré d'ailleurs à Bruxelles au Menti, il y avait Raphaël Bassan, qui est un historien du cinéma, et lui, pour lui, c'était une forme d'impressionnisme au cinéma. Et c'est vrai que, on pourrait presque dire aussi ça dans ce film-là. Pour moi, ce n'est pas du cinéma expérimental. Je dirais plutôt que c'est un cinéma de poésie. D'ailleurs, au début, je mets un ciné-poème. Je crois, je ne sais plus si j'ai mis ça ou un ciné-voyage. Mais il y a beaucoup de mes films où je mets, au lieu de mettre un film de Gérard Courant dans le générique, je mets un ciné-poème de Gérard Courant. Ah ben, les textes, oui, c'est de ma poésie. Donc, un certain nombre de choses là que vous voyez là ont été retravaillées et ont été éditées en livre, notamment dans un livre qui s'appelle Baiser décoloré, un livre de poésie qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était fait à partir de textes que j'avais commencé à écrire il y a 25 ans avant et que j'ai travaillé au fil des années. Voilà, donc, si vous voulez, dans ce film-là, c'était un peu l'état premier de ce livre qui s'appelle Baiser décoloré. Mais peut-être que vous avez des questions à poser. Et le son, ah oui, c'est vrai. Parlé du son. Je n'ai pas. Ensemble. Voilà, le son. Donc, il y a des spectateurs qui parfois croient que c'est de la musique, que le son, c'est un bruit de bateau. En fait, ce n'est pas du tout un bruit de bateau. C'est le bruit d'un projecteur. C'est un projecteur d'analyse, qui permet de projeter les films à des vitesses variables. Donc normalement un film, c'est projeté à 24 images par seconde, mais il existe des projecteurs qui peuvent projeter à 9 images, à 6 images, à 3 images, et donc ça fait un bruit très particulier. Et donc voilà, j'ai tout ce son répétitif qu'on a du début à la fin, c'est un projecteur. Ah ben c'était donc je tenais à faire un film sans musique grecque. Ça m'amusait beaucoup de ne pas prendre du tout de la musique grecque pour ce film, quitte à utiliser la musique grecque dans d'autres films. Et donc, voilà, ce sont toutes sortes de choses. Enfin, c'est surtout de la musique classique, mais il y a aussi un peu de musique arabe. Enfin, mais c'était, si vous voulez, voilà comment je procédais, si tu veux savoir. Donc, j'avais mon projecteur qui tournait. Je mettais des musiques et puis j'enregistrais tout ça. Donc j'ai enregistré des heures de musique avec ce projecteur. Puis après, au montage, donc j'ai fait des choix. Et voilà, c'était fait alors, de façon très très simple, si vous voulez. Il n'y a pas de mixage fait dans un studio. Ça s'est fait comme ça. J'appelle ça à la volée. Donc voilà, le bruit d'un projecteur avec une musique qui passait là. Et un magnétophone, enfin un micro enregistrait tout ça. Voilà. Alors des fois, je me complique vraiment la vie avec d'autres films à faire, vraiment à travailler le son de façon très, très, très rigoureuse. Et là, c'est pas qu'il n'y a pas de rigueur, mais c'était une opération extrêmement simple à faire. J'avais pas besoin de studio, j'avais pas besoin de studio de mixage, voilà. Donc on peut s'amuser à faire des choses très très simple et qui coûte pas grand chose, qui coûte rien au cinéma. Il faut avoir un petit peu d'imagination et on arrive parfois comme ça à contourner les difficultés, à contourner les problèmes d'argent. Voilà. Vous avez parlé de ce professeur qui parlait d'impressionnisme en fait. Oui, c'est Raphaël Bassan, oui, un historien. Oui. C'est bien. Moi je me demande en fait qu'est-ce que vous entendez par là, comment vous l'acceptez, comment vous comprenez en fait, parce que ça me semble très abstrait, on peut dire comme ça, oui, c'est un très impressionniste. Écoutez, là, Raphaël Bassan parlait de ça à propos d'un autre de mes films qui s'appelle Au cœur bleu, donc bon, c'est lui qui avance ça, et donc chacun d'avoir sa vision. Moi, c'est pas moi qui dis que c'est de l'impressionnisme. Boris Lehmann,
Si, et... vous reportez cette parole-là, c'est quelque chose. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Je fais que dire, voilà, cette personne-là a dit ça, mais je ne dis pas que moi, je revendique ça. Je suis plus modeste dans mon projet. Je vais revendiquer, enfin bon, les impressionnistes étaient attirés par la lumière, les couleurs, les impressions. Impression de tableau, impression de Monet. Donc voilà, je crois que c'est assez clair. Oui, bah. L'eau, la nature, l'eau, le ciel. Non, mais je sais pas, par le exemple, mouvement du bateau. Y a le rapport, par exemple, on parle mais ce n'est qu'une référence, hein, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Il ne faut pas se bloquer sur la rapport. Non, mais il n'y a pas de problème, mais c'est que, disons qu'on entend utiliser une idée comme ça, voilà, pour donner un peu une évocation, une image, une idée pour appréhender. Je sais pas, moi je me dis impressionnisme, d'accord, bah alors peut-être que. Mais là, ça me semble très abstrait dit comme ça, alors que. Par exemple, si vous me dites, oui, si vous évoquez le rapport de distance qui est introduit entre le rapport entre le son et l'image, le rapport de proximité qu'on va avoir, parfois comment les deux vont se rejoindre, parfois comment les deux vont s'éloigner, comment ça va se distendre en permanence, en fait, on est justement dans la contradiction du regard. Là, effectivement, on est dans des impressions qui sont nommées, en fait. Dire impressionnisme, ça me semble assez hasardeux, dans la mesure où c'est juste, si c'est juste, effectivement, des couchers de soleil, je veux dire, des reflets sur l'eau, des mouvements, des... Non, c'est pas, y a pas que ça. D'ailleurs, le médium n'est pas... Le médium, aussi bien du son que de l'image que vous utilisez au cinéma, c'est pas... Je veux dire, ça appelle justement à expliciter un peu plus peut-être l'expérience qui est suscitée par l'observation du film. C'est une expérience mentale, pour moi. Oui, c'est-à-dire... Une expérience mentale, le film. C'est une expérience, pour moi, c'est pousser comme ça, aller jusqu'au bout du cinéma, dans un domaine précis, donc ce travail sur le refilmage. Mais inversement, en même temps, il y a un rythme qui serait plutôt de l'ordre de la transe. En fait. À certains moments, même la musique s'efface, quoi, on est dans une forme d'hallucination de l'image qui vient d'elle-même. Avec cette auto-régénération permanente, où là, finalement, on est presque à des antithèses, justement, d'un rapport mental à l'image. C'est-à-dire que même l'image, à la limite, si on prend comme telle, on ne prend pas l'image comme un contenu qui serait à observer analytiquement. Donc déjà, même le rapport à l'image est très contrarié par rapport à ce rythme. Donc le rapport mental, vous dites mental, mais en même temps, c'est presque antithétique par rapport à l'expérience qu'on peut en avoir aussi. Ah oui, non, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Vous avez dit que beaucoup ou certaines personnes pensent qu'il y a qu'on entend un bruit de moteur, de bateau. Oui. Mais on peut quand même l'évoquer avec. Ah, bien sûr, c'est. Évidemment. Ce bruit, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Et sans ce son, on parle d'impressionner, mais sans ce son, pour moi, qui tient tout ça, qui fait fonctionner tout oui, ça. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. On pas dans les tableaux. Hein. Ce son. Oui, ben, je sais pas quelle heure il est. Donc, bon. Donc, le film là qui va être présenté, Les Aventures d'Éditeur Lay. Donc, je redis en deux mots ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un film entièrement en noir et blanc. Donc, c'est un film de science-fiction. Et qui donc prend un canevas, disons, romanesque, classique du film de science-fiction, c'est-à-dire que c'est un. Qu'on retrouve dans la BD, qu'on retrouve dans les séries B américaines des années 40-50. Donc voilà, c'est un personnage qui vient d'une galaxie lointaine, qu'on appelle dans le film les pays extérieurs, et qui vient sur une planète qui s'appelle Modern City, où des choses ne tournent pas très rond. Donc c'est un monde où les gens ne communiquent plus, il n'y a plus d'amour. Et lui, il doit faire une enquête pour savoir pourquoi. Et donc, voilà, le film montre son enquête. C'est pour ça que ça s'appelle Les Aventures d'Éditeur Lay. Donc, c'est un film avec plein de personnages, au contraire du film sur la Grèce, où il y a simplement cette femme qu'on voit à peine. Là, par contre, il y a une dizaine de personnages, dont ce personnage de l'éditeur Lay et d'autres personnages importants aussi, celui de Lola et des personnages secondaires. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, on a présenté les deux films ensemble. Celui-là, c'était un film sur la lumière, l'autre, c'est vraiment un film sur les ténèbres. Là, c'est un peu un film sur la liberté, l'autre, c'est un film sur le totalitarisme.
les totalitarismes, sur la guerre, sur l'impossibilité de communiquer. Voilà, donc, et comme ces deux films ont été faits parallèlement au niveau du tournage et au niveau de la fabrication, donc le festival a pensé que ça pouvait être vraiment intéressant de les mettre en parallèle. C'est la première fois que je les montre en parallèle. C'est jamais arrivé sur des films qui ont plus de 20 ans, enfin, à propos de la Grèce à 21 ans, l'autre à 19 ans, ils n'avaient jamais été montrés en parallèle. Voilà, donc, si vous êtes encore à la prochaine projection, je vous souhaite bonne projection. Les aventures d'Éditeur Lé avaient été présentées au Festival de Cannes, au Festival de Berlin. D'ailleurs, on a pas mal de festivals en Allemagne, donc c'était avant la chute du mur, et donc les Allemands étaient... C'est le pays qui a le plus apprécié ce film. Voilà. Oui, vous pouvez rester dans la salle, il va faire ajuster. D'accord, oui. Alors autrement, c'est un film qui est en 35 mm, mais là, on passe une version restaurée qui est en... qui est en vidéo. J'écoute, hein. Oui, oui. Et donc au niveau financier par rapport au film, justement par rapport à tout prix, au niveau financier, budget, comment on s'en sort quand on a de l'argent et qu'on ne peut pas le faire au niveau artistique. Et puis un message aussi par rapport aux jeunes. Je peux filmer un petit peu? Oui, il n'y a pas de problème. Le message par rapport aux jeunes aussi que vous pourriez transmettre, en fait, par rapport à des jeunes qui voudraient être réalisateurs. D'accord, je répondrai. Je réponds pas maintenant. Ah non, il vaut mieux le garder pour tout à l'heure. Extrêmement simple. Au départ, j'étais cinéphile et donc je voyais beaucoup de films quand j'étais étudiant, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des films que j'ai autoproduits. J'ai pas fait d'école, simplement comme ça, j'ai fait des films, j'ai commencé à les montrer, bon, ils ont eu un certain succès, puis voilà, de fil en aiguille, la machine était lancée, et voilà, c'est bien, faut se lancer, parce que c'est ça le plus difficile, c'est de faire le premier film. Puis après, bon, bah, les choses s'enchaînent et voilà, c'est parti. Et par rapport justement à un premier film, comment est-ce que vous envisagez les choses par rapport justement au budget quand on est un jeune réalisateur, qui n'a pas forcément d'argent, on ne sait pas trop où s'adresser, pourquoi vous n'avez pas envie de faire donc comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent ou le faire, même malgré tout, justement à tout prix, comme on dit, est-ce que c'est bien? Maintenant, la technologie permet de faire des films avec peu d'argent. On prend un caméscope, voilà, on peut tourner en mini DV par exemple.
Et avec très peu d'argent, on peut faire un film, on peut faire le tournage, on peut monter soi-même sur un ordinateur. Donc tout est possible aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui le cinéma devient un peu comme la littérature ou la peinture. On peut très bien ne pas avoir d'argent et on peut faire des films. Alors après, que le film soit réussi, ça c'est autre chose. Mais maintenant, tout est possible. Donc il ne faut surtout pas se gêner, il faut se jeter à l'eau. Voilà. Donc au début, je dirais que ce n'est pas très grave de ne pas avoir d'argent. Il faut essayer de faire ses preuves soi-même. Et après, bon, si le film est apprécié, voilà, on trouvera des moyens, des subsides pour arriver à faire d'autres films. Et je pense qu'au départ, il faut vraiment foncer. La technologie le permet, et donc ce serait dommage de s'en priver. Parce qu'avant, c'était plus compliqué, on était obligé de tourner en film, la pellicule coûtait plus cher. Là, c'est presque, vraiment, pour presque rien, c'est possible de faire des films. Donc ça, c'est formidable. Et que vous évoquez justement le nom de ce festival, Festival Filmé à tout prix. Alors moi, si j'étais organisateur de festival, je serais jaloux de ces titres, parce que c'est un des plus beaux titres qu'on puisse donner à un festival. Vraiment, oui, un cinéaste, c'est quelqu'un qui doit avoir la flamme. Voilà, filmer à tout prix, c'est vraiment une certaine définition du cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas toujours simple, donc il faut vraiment avoir le feu sacré. Et donc, il faut filmer. Même si il y a un sujet qui nous tient à cœur, même si on n'a pas d'argent, bon, il faut filmer quand même. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Le cinéma, c'est un art, c'est pas un art de fonctionner. Voilà, donc il faut prendre des risques. Et donc, quelquefois, il faut filmer à tout prix. Et ici, justement, par rapport au festival, vous nous présentez justement une conséquence le cinématon. Oui, le cinématon, c'est déjà une très longue aventure. C'est une anthologie du cinéma que j'ai commencé en 1978, qui consiste à filmer des artistes de tous les milieux, selon des règles absolument identiques pour tous. Alors les règles, c'est facile, c'est un plan séquence de 3 minutes et 20 secondes, en plan fixe, en cinéma muet, et les personnes qui sont filmées font absolument ce qu'elles veulent. Elles ont la liberté totale de faire ce qu'elles veulent pendant le cinématon. Alors j'ai filmé des gens comme Wim Wenders, comme Godard, beaucoup d'écrivains, des peintres, voilà, des gens de tous les milieux de l'art. Et maintenant, alors là, après presque 30 ans de tournage, il y a plus de 2000 cinématons qui ont été filmés. L'ensemble représente 150 heures de film. Il y a eu parfois des rétrospectives intégrales qui sont de plus en plus difficiles à organiser, parce que là maintenant ça devient toute une entreprise avec un nombre d'heures aussi important. Voilà, mais bon, ces portraits qui s'appellent donc les cinématons circulent un peu de partout, bon, en France où j'habite, mais à l'étranger, on passe sur des chaînes de télévision. Là, il y a une chaîne en France qui en programme un par jour maintenant. Voilà, donc, et puis moi, j'ai un plaisir à continuer à faire ce travail, puis à les montrer. C'est très bien. Et par rapport à ces cinématons, justement, qui s'est projeté, ça marche. C'est celui de Boris Lehmann, ça doit être le cinématon 468. Et donc, c'est une sorte de mise en abîme du
du cinémathon, c'est-à-dire qu'il raconte toute sa vie de cinéaste, mais sans jamais se montrer, c'est-à-dire qu'il se cache toujours derrière des feuilles sur lesquelles il a écrit toutes sortes de messages sur le cinéma, sur le cinémathon, sur le temps, sur son activité de cinéaste. Donc en même temps, on ne voit jamais son visage, mais en même temps, il nous dit plein de choses sur son art du cinéma. Voilà. Puis en ce qui concerne le temps au cinéma, c'est la question essentielle. Et c'est vraiment la question chaque cinéaste se pose la question du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à ça. Alors chaque cinéaste a sa méthode. Chaque cinéaste a sa cuisine. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes sont des cinéastes comme Chantal Akerman, un plan très 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 long. Puis il y a d'autres cinéastes, par exemple je pense à Jonas Mekas, qui tient un journal filmé aux États-Unis et qui est un cinéaste qui travaille sur des plans très très courts. Et entre ces deux cas extrêmes, il y a tous les cas intermédiaires. Donc chaque cinéaste appréhende à sa façon le temps. Alors pour le cinémathon, c'est un peu un acte limite, parce que donc, un portrait c'est un seul plan, c'est un plan séquence qui dure 3 minutes et 20 secondes. Donc c'est un peu une sorte de défi au cinéma, mais en même temps c'est quelque chose qui fonctionne, parce que quand j'ai commencé à les montrer, je ne savais pas si cette durée fonctionnerait. Et donc c'est les premières projections qui ont été déterminantes. Le public a accepté ce temps et le public s'est rendu compte que c'était la bonne durée. Mais ça aurait pu ne pas être la bonne durée, ça aurait pu être par exemple une minute la bonne durée. Mais pour moi, par rapport à mon style, ça fonctionnait très 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 bien. Et puis aussi, dans mes autres films, je travaille le temps d'une façon complètement différente. Je dirais pour chaque film, j'essaie d'appréhender le temps d'une manière différente. J'ai des films qui sont très très rapides, des films qui sont très 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 lents, avec très peu de temps, d'autres avec beaucoup de temps. Et donc à chaque fois, disons, par rapport au sujet, le travail sur le temps est différent. Alors, cela dit, il y a certains cinéastes qui, eux, travaillent toujours de la même façon. Je pense par exemple à Chantal Akerman ou à Boris Lehmann. Ce sont des cinéastes qui travaillent le temps, mais toujours de façon un peu similaire. Alors qu'en ce qui me concerne, en dehors des cinématons, des autres films, j'aime bien faire de m'adapter par rapport à mes sujets. Voilà. Et alors, on a lu une phrase dans la description de la 10e édition, je pense, du festival, qui disait justement que le festival filmait à tout prix, qu'il était vraiment documentaire, et s'adressait vraiment aux gens pour parler des hommes, de leur passé et de leur devenir. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça par rapport à votre idéologie, par rapport à ce que vous pensez, par rapport justement à l'homme, à son passé, son devenir, par rapport au film? C'est un vaste sujet, hein. C'est un immense sujet, puisque c'est presque le sujet du festival, et donc le festival en est à sa 12e édition, et le festival essaie de, comme ça, de creuser, de voir, grâce au cinéma, le cinéma nous permet de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre évidemment le passé, et quand on comprend bien le passé, ça permet déjà de bien comprendre le présent, et disons de prévoir un peu l'avenir. Donc ce festival, c'est un peu une recherche, une sorte de laboratoire, et donc avec des images qui viennent un peu de tous les continents. Et voilà, on se pose plein de questions, et si un jour on avait réponse à toutes les questions, je pense que le festival s'arrêterait. Mais normalement, non. Je crois qu'on est toujours en quête de questionnement, et c'est un peu l'objectif d'un tel festival, c'est justement d'essayer d'approfondir des questions qui sont importantes, qui sont vitales aujourd'hui. Donc ce festival, comme d'autres, il y en a d'autres comme ça, dans d'autres pays, mais il fait un travail, et peut-être que ce n'est pas un travail spectaculaire, pour beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas le festival, mais je pense que ça fait plus avancer l'image, le langage cinématographique, que beaucoup de chaînes de télévision qui font de la programmation 24h/24, 7 jours sur 7. Là, je pense qu'on pose vraiment des questions essentielles. On n'est pas en surface, là, vraiment, on entre à l'intérieur, on va profondément dans les choses. Donc, faire un vrai travail de recherche. Donc, par rapport au film que vous créez, est-ce que justement, on pourrait dire que le fait de vouloir filmer, c'est une espèce de quête de réponse, de
de choses qui vous sont assez fortes dans votre parcours. Là, c'est là encore, c'est des grandes questions. Mais n'importe comment, je pense, si on fait des films, mais si on s'exprime par le cinéma, mais par d'autres moyens, hein, par la littérature, la peinture, c'est qu'on a vraiment on a envie de sortir des choses qu'on a en soi. Et si ce n'est pas le cas, bon, on ne fait que faire des images, on ne fait que faire des sons, et ça s'arrête là. On ne fait pas, on ne crée pas du langage, on ne crée pas de l'émotion. Et donc, un cinéaste, un artiste, il est là pour créer des nouveaux concepts, pour créer des nouveaux langages, pour créer des nouvelles esthétiques. Et donc, voilà, si on n'est pas là pour ça, je pense qu'on ne sert à rien. On se retrouve dans de la représentation, dans du factice, dans du superficiel. Là, on peut. On ouvre le robinet de la télévision, on a ça en permanence. Là, dans un festival, là, on montre vraiment, l'envers du décor, on montre vraiment ce qui existe vraiment. Quelque part, la vraie vie. Et non pas la vie, comme ça, rêvée par le pouvoir des images, le pouvoir médiatique. Parce que souvent, on dit que l'artiste, en tant que tel, est plutôt quelqu'un qui va faire passer des messages, qui va transmettre des choses, mais bon, c'est vrai que par rapport à soi-même aussi, on est toujours en quête de réponse par rapport à des choses qui nous sont personnelles. Donc, est-ce que vous pensez que justement, c'est plus une quête de réponse par rapport à votre cheminement à vous et à votre corps ? Là, c'est. Je pense. Quand on fait des films, c'est vraiment. C'est qu'on a envie de faire sortir des choses qu'on a en soi et de les faire partager aux autres. C'est-à-dire que c'est pas un acte gratuit, c'est jamais un acte gratuit. Quelquefois on dit oui, en parlant de certains artistes en général, comme ça, oui, son nom brille. Ça peut être le cas, mais je pense que c'est en montrant bien. Quand je prends l'exemple de Boris Lehmann, donc il montre, en fait, son cinéma, c'est un peu une sorte d'auscultation de sa vie. Et donc en montrant plein de détails comme ça de son vécu, en fait, il arrive à intéresser des gens de toute la planète. C'est-à-dire que chaque humain peut se retrouver quelque part dans un film de Boris Lehmann. C'est-à-dire que par plein de petits détails, il nous fait partager des émotions, je ne sais pas, des joies, des douleurs qu'il a en lui et que nous, on peut ressentir aussi. Donc, je dirais que l'artiste, le cinéaste, l'artiste, il est presque une sorte de passage comme ça, c'est-à-dire que les émotions nous traversent, et nous on les fait passer, puis on les transmet au spectateur. Donc on est un relais quelque part. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez un message en particulier à passer aux jeunes réalisateurs, qui s'adressent surtout aux jeunes, de sortir. Pour moi, le message. Le plus important, c'est si on a envie de faire des choses, il faut les faire. Ah, voilà. C'est une machine moderne. Ah, ça, c'est une espèce de petit carnet de des choses qu'on garde avec... Un journal. Un petit journal, oui. C'est ça. Et il y a moyen de voir ça en plus grand ou... Ah, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des festivals maintenant de films faits avec des portables. Moi, je ne suis absolument pas tous ces machins-là. Dans 10-30 secondes, je dois faire une présentation très rapide du cinématon qui passe. Ça va. Donc, j'attends, il m'appelle.
là. Je laisse la parole à Michel et à Jacobo. Merci beaucoup Isabelle, et je remercie beaucoup Isabelle Ribadeau pour tout le boulot qu'elle a fait, vraiment, et puis son attention aussi aux nos demandes et sa compréhension. C'était pas tellement facile, je pense, pour elle, mais vraiment, je la remercie. Donc, c'est bien, il n'y a pas trop de monde, on est presque en famille, donc ça sera beaucoup plus simple pour parler. Alors, voilà. Bon, présenter Théo Hernandez, c'est tellement vaste comme, disons, comme œuvre et comme, comme personne et comme artiste. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, on va plutôt regarder le film. Alors, au début, il y aura la voix de Théo. Et après la voix de Théo, il y aura le cinématon de Gérard Courant. Et après, il y aura Parvis Beaubourg. Alors, Parvis Beaubourg vient dans la création de Théo Hernandez. En plus, j'ai toujours du mal à dire si c'est un film ou une œuvre plastique, une cinématographie plastique. J'ai toujours du mal à situer ce genre de travail de Théo Hernandez et certaines œuvres qu'on a faites en tant que cinéma, quoi. Mais bon, il y a tous les ustensiles pour faire un film, donc caméra et pellicule et lumière. Donc Théo, voilà, Parvis Beaubourg, ça vient après de Señora de Paris, sans doute que vous avez sans doute vu, où là Théo se déchaîne sur Notre-Dame de Paris. Il a détruit, il a reconstruit, il a reformé. Donc il fait, là il est presque en, je dirais presque en travail de sculpteur avec sa caméra. Il est en pleine possession de son médium. Et il est possédé aussi par son médium, je pense. Et on va le voir, là, en parlant de possession, on va le voir là dans ce film, où vraiment, la possession, elle est à la fin du film, on va voir la transe, quoi. Vraiment une transe. Donc, Théo Hernandez, ces années 80, là, vraiment, où il se déchaîne, disons, où il saute plein d'étapes, où il plonge dans le vide, comme il le dit, dans ce joli petit livre qu'on avait fait un hommage à Beaubourg, je ne me rappelle plus en quelle année. Après sa mort, on avait fait un hommage à Beaubourg et on avait fait. Donc on avait commencé à transcrire aussi ses écrits, parce qu'il a beaucoup écrit, il écrivait sur tout. Il a écrit des petits carnets, 27 petits carnets. Il écrivait sur les tickets de métro, sur les nappes, sur le papier cul, même j'ai trouvé mes écrits sur le papier cul. Et là, en ce moment, puis je voudrais remercier là quelqu'un qui est là, justement, le neveu de Théo Hernandez, Mauricio, un lien biologique. Fasciné par le tonton, et Mauricio aussi est fascinant, il est en train de transcrire, il est en train de faire un travail, justement, on va essayer justement de publier, depuis le temps qu'on en parle, ces carnets, parce que c'est très très important, c'est magnifique, quand Montéo parle de son travail, de ses intuitions, un discours des mots poétiques, philosophiques, politiques, esthétiques, éthiques, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler, parce qu'il a tellement dit des choses tellement magnifiques, mais quand même, j'ai pensé qu'après Nuestra Señora de Paris, où là vraiment il est sculpteur, là, où vraiment il détruit, il remodèle Notre-Dame de Paris dans une sculpture de lumière, que là, à Parvis Beaubourg, dans ces années 1980-1981, il appelait ça la cour des miracles, il se passait tous les jours quelque chose d'extraordinaire devant ce parvis. Il y avait des danseurs, mais du monde entier, hein, la Chine, le Japon, l'Argentine, et on était fascinés par l'ambiance de, et cette atmosphère qu'il y avait d'énergie devant ce parvis. J'ai même des fois l'impression qu'il se passait plus de choses dehors qu'à l'intérieur. Mais il y a eu des très belles expositions au début aussi, bien sûr, à Beaubourg. Là, je fais attention parce qu'il y a des gens qui travaillent à Beaubourg. Mais vraiment, c'était extraordinaire. Et là, déjà, Théo avait déjà... Je pense avait déjà un peu, avait carrément déjà son style entre les mains, avec sa petite caméra qui lui a permis vraiment de dépasser toutes les limites, quoi. Vraiment, il plonge dans le vide et je dirais même dans l'abîme pour reconstruire à sa façon et remodeler justement son espace. Et c'est des œuvres vraiment existentielles. Et là, on va le voir dans Parvis Beaubourg. Et là, alors donc là, ce n'est plus du tout Notre-Dame de Paris, ce n'est plus un monument en pierre. Là, ce sont des corps vivants. Et comment Théo filme justement et comment s'investit, il s'immerge dans cet espace avec tous ces corps. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de différence, disons. Là, alors, abat toute théorie et toute analyse, parce que Théo est immergé dans cet espace. Et il a tellement, et en même temps, tout le montage,
montage. Tout le montage est fait directement à la caméra. Il a une telle possession de ce médium qu'il faisait vraiment un avec son corps. Et c'est vraiment une synesthésie totale, quoi, de tous ses sens. Et c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Alors donc, j'ai toujours du mal à dire que c'est du cinéma. J'ai du mal à dire que c'est de la peinture. Il fait beaucoup de références à des peintres dans ses écrits, hein. Il fait une référence à Pollock, Picasso, comment Picasso reprend les Ménines de Velázquez et tout ça. Donc c'est pour ça, on est entre deux choses, vraiment, on ne sait pas trop où le placer, hein. Mais alors là, il défonce tout, il dévore l'espace, il bouffe l'espace, il filme avec son sang, comme il dit, avec sa chair, avec ses os, avec son sperme, avec sa merde. Il est vraiment immergé dans le présent, dans ce moment-là. Et à part Vibeaubourg, c'était extraordinaire. Maintenant, c'est un peu nettoyé, polissé, qu'on a bien dégagé, quoi. Mais c'était des moments vraiment extraordinaires. Et on va le voir dans le film. On va sentir l'ambiance et comment Théo arrive à créer justement une œuvre plastique, un film plastique. Je laisse la parole à Jacques, qui est un compagnon, hein, qui est encore un très grand compagnon, bien sûr, mais il était avec nous dans ce groupe, la Métro Barbès Rochechouart. On était aussi avec Gaël, il y avait Jacques, on était ce noyau, puis autour, il y avait d'autres petites planètes fugitives, et qui disparaissaient, qui revenaient. Mais là, c'était des noyaux purs, disons. Donc, on regardait ensemble nos roches, on discutait de nos roches, on parlait de cinéma, on avait des moments intenses même dans nos discussions, puis justement dans la façon comment on regardait nos films. Donc Jacques, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Il faut dire aussi que Jacques a beaucoup travaillé avec Théo. Il a fait la bande-son de Seigneur à Paris, puis bien d'autres, je ne me rappelle plus lesquels, la Crème à Christie, je crois, non ? Une partie de Christo, le deuxième Christo. Oui, Christo, oui. Bon, il a travaillé parce que bon, il était dans le son, donc il a apporté une grande contribution aussi au travail de Théo, et puis cette rencontre de nous quatre, quoi, c'était merveilleux. Qui était une histoire d'amitié, une histoire d'amour et une histoire de création. Vas-y, Jacques, à toi. Bonsoir et merci d'être venu. C'est vrai que c'est difficile de rajouter quelque chose après ce que Michel vient de dire. Je voudrais simplement rebondir sur un des derniers mots qu'il vient d'employer, le mot amour. C'est vrai que hier, quand Michel m'a demandé de co-présenter cette séance, ce soir, bon, la nuit qui a passé depuis hier m'a tenu éveillé une grande partie de la nuit et m'a ramené justement des émotions très fortes de cette période, et j'ai noté quelques souvenirs forts des émotions, de ce que je ressentais, de ce que Théo a pu communiquer. Alors justement, par rapport à ne serait-ce que son nom, son prénom, surtout ne mettez pas de H. C'est Théo de Théodoro sans H. Parce que justement, Théo, il ne maniait pas la H. Son cinéma ne coupe pas. Son cinéma nous relie. Il était constamment dans son attitude de captation du réel. Il était dans une attitude de symbiose, une attitude d'amour avec le sujet. Et pour moi, Théo, c'était d'abord un œil. Et un œil à l'acuité semblable à celle d'un rapace. Je vous lis les images qui me sont venues donc, cette nuit. Pour moi, c'est un rapace qui fondait sur sa proie. Et c'est la proie qui s'emparait de Théo et qui l'entraînait dans le geste. Et en particulier dans le film que vous allez voir tout à l'heure, dans Parvis-Beaubourg, c'est particulièrement vrai, où il épousait tous ces artistes qui étaient là sur le parvis, les jongleurs, les danseurs, les chanteurs. Et je compare cette vie qu'il y avait sur ce parvis, pour moi, la seule émotion similaire à ça, c'est, si certains ont connu vécu la place Jamel Fna à Marrakech, c'est le même type d'émotion. Et à part que là, il y avait quelque chose de peut-être de moins, peut-être Jamel Fna, il y a des rites, là c'était avec une très grande liberté. Donc voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai noté? Il parle de rapace, hein, il se prend pour un rapace. Alors, bon, c'est pas pour ramener à moi, mais c'est vrai que j'ai eu l'honneur, je considère ça comme un très grand honneur que m'a fait
Théo, dans un de ses plus beaux films également, c'est 3 gouttes de mescal dans une coupe de champagne, où il m'a fait personnifier le jaguar, le saut du jaguar, qui était aussi un de ces animaux totems, hein, on peut dire, hein, qui venait vraiment de son Mexique natal. Je notais, oui, Théo dansait avec le monde. Son geste continu, celui du danseur, celui du jongleur, du spectateur même, qui est également emporté dans ce magma d'images et de sons. Et c'est vrai que ce qui fait, pour moi, j'ai terminé là-dessus, ce qui fait également la spécificité pour moi du travail de Théo, c'était sa très grande simplicité, son humilité face aux gens qu'il filmait. Voilà, maintenant, je crois qu'on peut laisser la place à d'abord sa voix, son image et ses images qu'il a produites. Merci. Aïe aïe aïe, j'ai récupéré du Gérard Pan. Je pensais que tu t'y remets. Alors, je me mouche pour dire bonjour à la dame. Donc on va essayer de parler tous les deux de Gaël Badeau, qui est décédé en 2002, qui était l'ami de Théo Hernandez. Donc vous voyez tous ces liens entre nous, hein, tous ces liens, tout ça, ça se tissait. Donc Gaël Badeau a pu faire des films grâce au miracle, bien sûr, de Théo Hernandez, à la générosité de Théo, à l'écoute de Théo. Et une fois, je me souviens, j'avais demandé à Théo, mais je me disais, comment tu... Bon, parce que des fois, Gaël délirait complètement, disons même dans sa schizophrénie. Et je disais à Théo, mais comment tu arrives des fois à supporter Gaël? Et Théo m'a répondu tout simplement, la seule chose que j'aime dans la vie, c'est les fous et la parole des enfants. Bon, là, j'ai fermé mon bec et j'ai compris. Donc, alors voilà Gaël, orphelin, avec une vie très très lourde.